À travers cette rencontre, nous cherchons à rafraîchir la mémoire des élus sur la première phase de la budgétisation sensible aux gens qui comportait effectivement une phase de sensibilisation, d'information et de formation et surtout la phase de capitalisation qui a motivé cette deuxième phase de budgétisation sensible aux gens au Sénégal. On l'espère beaucoup parce que nous avons eu l'engagement des élus. Les élus ont d'abord sollicité la multiplication de rencontres sur le genre durant l'année. Et puis deuxièmement, bon, les élus aussi ont proposé, avant les débats d'orientation budgétaire, de se rencontrer entre femmes, d'exprimer leurs besoins et de soumettre ça au conseil municipal pour la prise en compte de ces besoins dans le budget municipal. Effectivement, pour cette deuxième phase, nous visons surtout les femmes des quartiers. C'est ainsi que dans les prochains jours, nous irons à Ndiolofène dans le quartier Nord et nous sommes en train de programmer pour les autres quartiers. Cet après-midi, toutes les femmes élues, mais également des hommes sensibles au genre, pour la poursuite des activités que nous avons menées depuis 15 ans, c'est-à-dire aller au niveau de la commune, aller vers un budget sensible au genre. Et nous sommes à la deuxième phase. Et pour cela, nous avons passé cet après-midi à se rafraîchir la mémoire de ce qu'on avait déjà fait. Parce qu'on avait fait une analyse situationnelle avec une recherche-action. Et à partir de là, on a défini des activités, mais également voir les voies et moyens pour aller vers un budget sensible aux gens. C'est pas facile d'aller d'une année à une autre vers un budget sensible aux gens, mais quand même pas à pas, on peut y arriver. Et cet après-midi, on a fait cette sensibilisation et nous nous sommes quittés en disant que nous allons nous revoir tous les 3 mois pour un après-midi du genre. Ensuite, nous allons nous préparer pour le budget 2019 pour que toutes les femmes soient formées. Ensuite, sortent une recommandation auprès du maire, auprès du bureau municipal, auprès des agents qui élaborent le budget pour qu'il y ait que le genre puisse sortir de notre budget. Elle est réelle et on sait que ceci va permettre, si on arrive à avoir un budget sensible aux gens, nous allons avoir une ville de développement. Parce que ce sont des femmes, sinon les femmes, ce sont les personnes vulnérables qui seront propulsés, qui seront encouragés pour aller vers le développement de notre ville.